bonjour à tous. Bienvenue. Tout d'abord, on va se présenter. On est France Digital. On est là pour aider nos amis de la cuisine du web avec l'animation de cette séance. Je vais laisser présenter France Digital à notre délégué général. Et ensuite, on va vous faire un peu la misère ici. Hein, parce que vous n'avez pas arrêté de faire la misère à toutes les startups. Et là, c'est votre tour. Très bien, merci Laura. Donc moi c'est Kayla, je suis la déléguée générale de France Digital. France Digital, si vous ne connaissez pas, c'est l'association qui représente les investisseurs et les entrepreneurs de toute la France. La mission, c'est de créer des champions numériques de demain. Donc on fait ça avec deux activités principaux. On a une activité qui est de lobbying et de représenter et défendre les intérêts de l'écosystème auprès des pouvoirs publics. L'autre activité, c'est de monter en compétence tout l'écosystème avec des opportunités de rencontres, des networking, des workshops, partage d'expérience et tout ça. Donc voilà, vous pouvez devenir membre de France Digital. D'ailleurs, j'ai compté, je pense qu'on a tout sauf un investisseur aujourd'hui au panel qui sont membres de France Digital. Donc on va se journer ça après. Bien sûr, si ça m'intéresse. Je peux pointer deux doigts si vous voulez. Donc vous avez compris, en fait, aujourd'hui, l'idée c'est de renforcer le rôle. Donc c'est au VC de vous pitcher, d'expliquer les différences de leurs fonds, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les catégories et pourquoi venir chez eux. Donc sans délai, on va commencer tout de suite avec... Alors je vais vous dire l'ordre, comme ça vous savez un petit peu. Enfin, vous avez 5 minutes, hein. À partir de 5 minutes, j'arrête et le suivant. On ne va pas vous laisser le temps pour des questions, sauf si on a... des questions très importantes à la fin, pour aller très vite. Donc on commence avec Pauline, Pierre-Henri, Maximilien, Christophe, Foucault, Hugues, Mathieu, Boris, Rodolphe et Jérôme. J'apprécie la galanterie de la seule fille de commencer. Donc moi je m'appelle Pauline, je suis investment manager chez Elaia Partners, qui est un fonds de capital risque parisien, merci pour le timing. Qu'est-ce qu'on fait basiquement? On investit dans des startups qui sont early stage. On existe depuis une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça représente 50 investissements, 150 millions d'euros investis à date. Much more to come pour ceux qui auraient plus soif d'argent. On investit très précisément sur des sociétés qu'on estime early stage, c'est-à-dire qu'on rentre à un stade où vous avez un projet, une idée, pas ou peu de chiffre d'affaires ou des tout débuts de déploiement. On n'est pas là pour vous financer quand vous faites déjà 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On vous prend très tôt. On vous prend très tôt pourquoi? Parce qu'on pense profondément qu'on est là pour vous aider. Et que c'est aussi l'apport du VC dans l'idée de la smart money que de vous apporter un peu plus que de l'argent. Comment on fait ça très concrètement? On a beaucoup de relations avec les corporates, avec... les accélérateurs, les incubateurs desquels vous sortez. On essaye aussi de vous faire rencontrer pas mal de gens de notre réseau. La Elaia Family, c'est vraiment quelque chose qui a du sens chez nous. Au même titre que pas mal de fonds, on a beaucoup d'entrepreneurs de la première génération qu'on a financés qui viennent vous aider. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Globalement, on met des tickets chez vous entre 500 et 1 million d'euros. Pour le premier tour, et l'idée c'est vraiment de vous suivre dans la durée, de continuer à déployer du capital chez vous au fur et à mesure où vous développez et vous travaillez pour beaucoup d'entre vous à l'international. Notre genre de banté en termes d'industrie, c'est des choses plutôt techno. Je vais être méchante avec certains peut-être, mais on n'est pas très fan des applis de fooding, des choses dans le tourisme, voilà. On n'est pas B2C people. On ne sait pas faire de mettre 10 millions d'euros sur la table pour downloader des applis. Donc on aime bien quand il y a un peu de techno, parce qu'il y a un peu de barrière à l'entrée, un peu de différenciation. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de big data, beaucoup de tech, héritage Criteo chez nous, pas mal de sujets sur les objets connectés et la fintech. Voilà, parmi les boîtes qu'on a financées, qu'est-ce qu'on a fait de bien? On a tech, donc je vous en ai parlé, Criteo. On a fait des sociétés comme Miracle qui font du software pour les marketplaces. On a fait des choses dans le prédictif, Time Clues qui permet de,
de prédire les comportements clients sur des sites de e-commerce. On a fait des choses dans la fintech parce que notre métier se révolutionne aussi. Donc on a investi dans le crowd equity sur Smart Angel. J'en passe et des meilleurs. Et globalement, en termes d'équipe, on est 7 personnes, 5 dans l'équipe d'investissement. On prend toujours une place à votre board, c'est pas pour vous casser les pieds, mais c'est vraiment pour vous aider, être au plus près de ce que vous faites et de vous accompagner dans la durée. Et globalement, on est plutôt des gens sympas, avec des profils très différents. Il paraît que c'est le fond de gonzesse de la place, donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, il y a 3 filles, 3 garçons, il y a des ingés, il y a des commerciaux, il y a un peu de tout. Et quand vous venez nous voir pour pitcher, on aime bien quand vous avez des bonbons, parce qu'on est des grands fans d'Haribo. Voilà. Bonjour à tous, Pierre-Henri d'Entresangles, je suis le régional de l'étape puisque j'ai créé en 2012 ma société de gestion Hainov, qui est une filiale d'Entresangles Initiative, notre holding familial, donc qui vise à investir dans les startups du numérique, bien évidemment. Nous avons aujourd'hui, donc depuis 3 ans, réuni 70 millions d'euros sous gestion. Et nous comptons aujourd'hui 5 participations, dont une société lyonnaise Géolide, et puis quelques autres plutôt parisiennes, comme Men Square, Tag Commander, Famoco. Nous investissons dans les entreprises qui ont réalisé un petit peu de chiffre d'affaires, donc en post-amorçage. Donc nos primo-tickets tournent autour de 2 millions d'euros et peuvent aller jusqu'à 5-7 millions d'euros. En plusieurs fois, puisqu'on vous accompagne dans la durée. Aujourd'hui, Hainov est composé d'une équipe très complémentaire. On a notre CTO, qui est Valère, notre ingénieur, qui s'est appréhendé au sujet très techno. On a un directeur commercial, on va appeler le business developer, en ma personne, puisque je passe à peu près 30% de mon temps à mettre en relation les startups avec des clients ou des prospects. Donc voilà, ça c'est assez important. Et puis ensuite, on a le CEO, nos CEO de Hainov, en la personne de Valérie Gombard, qui a passé 15 ans dans le venture et qui a de belles réussites auprès de, notamment de Vistaprint, Parrot, Email Vision, Easy Voyage. Et puis le dernier qui nous a rejoint s'appelle Nicolas Meunier. Il y a 10 ans d'expérience dans ce métier-là. Notre philosophie d'investissement, donc, c'est évidemment vous accompagner dans la durée. On est présent au board et puis on essaie d'apporter notre savoir-faire assez multiple. Ça peut être des besoins immobiliers pour changer de siège social, puisqu'au sein d'Entresangles Initiative, la Maison Mère, on a pas mal d'activités connexes, mais aussi intéressantes pour vous, les start-upers, avec des compétences diverses et variées. Donc on essaie de mettre à profit toutes ces compétences, qu'elles soient financières, développement à l'international, scalabilité des modèles, avec l'expérience de Valérie Gombard et puis Nicolas Meunier notamment. Voilà un petit peu la façon dont on fonctionne. On investit géographiquement prioritairement en France, mais ma règle, c'est d'investir à 2 heures de nos 2 points de chute, que sont Lyon et Paris, et puis de façon anecdotique, probablement un petit peu d'Israël et un petit peu d'États-Unis. Pour notre deuxième fonds, puisque nous avons 2 fonds, Hainov 1, 40 millions d'euros, stratégie digitale, focus digital assez large, et le fonds SNCF Digital Ventures, qui nous a confié 30 millions d'euros et qui veut investir un peu plus loin qu'en France sur des thématiques assez larges là aussi, mais peut-être un peu plus focus sur les usagers, les voyageurs, les points, les gares, tout ce qui est assimilé au point de vente, finalement, et toutes les technologies qui peuvent afférer aux différents métiers de SNCF. Voilà, donc, je crois avoir tout dit. Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Maximilien Bacco, je suis associé et cofondateur du fonds Brega Capital. On est 3 cofondateurs, dont Benoît qui est ici aussi dans la salle, 3 entrepreneurs de la tech et du digital avoir décidé de créer ce fonds assez récemment, puisqu'on est opérationnel depuis 2 ans et demi. On s'est lancé en avril 2013.
On a fait 9 investissements depuis, et on a aujourd'hui un fonds de 35 millions, donc pour un lancement qui date d'un peu plus de 2 ans, comme je viens de le dire. On est vraiment un fonds spécialisé dans la tech et le digital, donc ça représente aussi évidemment l'expertise et l'expérience qu'on a, nous, les 3 cofondateurs, sans être vertical pour autant, c'est-à-dire qu'on va... On va regarder tout ce qui est software B2B, donc on peut aller du software B2B jusqu'à l'IoT, en regardant les business plutôt B2C, du web. On va regarder aussi les modèles d'AdTech, de MarTech, le Big Data, donc vraiment tout ce qui touche à la tech, digitale, numérique, on ne s'interdit rien sur tout ce panel. Notre rôle, nous, aujourd'hui, sur ces sujets, c'est de pouvoir accompagner rapidement l'entrepreneur sur un monde qui aujourd'hui est global, je ne vous apprends rien. Donc aujourd'hui, le marché français est souvent trop petit pour les entrepreneurs de la tech et digitale pour s'exprimer, donc c'est la base, un des fondamentaux de Brega, c'est comment je propulse les entrepreneurs en finance, comment on les propulse rapidement à l'international, notamment aux États-Unis, sur ces sujets-là, surtout sur des bastions où, historiquement, l'Europe et la France, c'est encore place forte. Je vous apprends rien, mais la tech, le big data, c'est des sujets, le fashion tech aussi, où on a de beaux atouts en France et en Europe à faire valoir, ce qui peut être différent quand on regarde aux États-Unis, où ils sont plus sur le payment, par exemple, ou sur le travel. Donc, on a vraiment des sujets de prédilection sur lesquels on a un rôle à jouer fort. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien auprès de nos entrepreneurs. Donc, je disais, Brega, c'est un fonds de 35 millions, composé aux 2/3 d'entrepreneurs aussi. Donc, c'est ce qui nous définit. On est 3 entrepreneurs à avoir monté le fonds, 3 entrepreneurs à manager, et avec des LPs qui sont majoritairement des entrepreneurs. Donc, une forme de fonds full stack entrepreneur. Donc on aime bien le dire comme ça aussi. Et à travers ce qu'on peut apporter, c'est cette expertise et cette expérience de la création de valeur et de scaler des modèles. Donc voilà, c'est ce qu'on met en place auprès des gens qu'on finance, des entrepreneurs qu'on finance. Les tours qu'on adresse, donc on est un peu plus early stage, Kalinov par exemple, donc on fait un peu comme Elaya, des choses entre 500, des tours entre 500 000 et 2 millions, 2 millions et demi d'euros, sur lesquels on va pouvoir mettre entre 500 000 et 1 million d'euros. Le critère chiffre d'affaires n'est pas forcément une métrique qu'on regarde. On la regarde aussi quand c'est des modèles B2B, mais on peut regarder aussi évidemment les métriques qui sont les audiences. Donc ça dépend des modèles. Quand c'est du B2C, c'est des modèles un petit peu différents. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la façon aussi, la philosophie d'investissement, mais ce qui nous caractérise, donc c'est vraiment les opérations. C'est-à-dire que quand on appréhende, quand on discute avec un entrepreneur, quand on regarde un business, c'est quelle est la valeur qu'on va pouvoir lui apporter. Et notre focus, et c'est ça qui est à la genèse de la création de ce fonds, c'est comment on apporte de la valeur post-investissement. Donc on essaie de le faire sur 3 piliers importants. Évidemment, le RH, qui est une des clés sur des postes qui ne sont pas toujours évidents à sourcer par entrepreneur. Le marketing, alors quand on dit marketing, c'est vaste et il faut être un petit peu plus précis, mais c'est sur des sujets qui sont évidemment stratégiques, go-to-market, etc. Des sujets très pragmatiques, on essaye d'aider l'entrepreneur sur des aspects concrets, de définir une pratique, de définir des choses comme ça. Et pour ça, c'est les partenaires du fonds qui s'occupent de ces choses-là avec l'entrepreneur. Et on a une équipe dédiée, on a 2 personnes à résidence, donc quelqu'un aussi qui connaît tout cet univers, cet écosystème, qui nous aide concrètement au day-to-day, aux côtés d'entrepreneurs pour l'aider à se propulser et à bien définir ses sujets. Et puis, évidemment, last but not least, tout ce qui concerne l'accélération business avec notre réseau en natif, le réseau de nos souscripteurs. On essaye de créer des cercles vertueux pour rapidement propulser l'entrepreneur vers des business auxquels il n'a pas forcément accès. Et ça, c'est vrai en France et en Europe. Et aux États-Unis aussi, où on a des prismes assez importants. Voilà, donc... fonds d'entrepreneurs de 35 millions. Évidemment aussi, on prend une place au board, en plus de cette gestion, je dirais, opérationnelle que j'ai pu décrire. Voilà, dans les grandes lignes. Merci. Bonjour. C'est à moi. Donc moi, je m'appelle Christophe Reynaud. Je travaille depuis un peu plus de 7 ans pour Isaïe. Et je vais essayer de vous le pitcher un peu comme les entrepreneurs nous pitchent leur idée, savoir le problème, la solution, l'attraction et puis les perspectives. Donc le problème, en 2007-2008, j'étais délégué général de Paris Business Angels. C'est pas ça le problème en soi. Le problème, c'est que je suis sorti de là avec une conviction assez forte qu'on manquait en France de Business Angels.
Et surtout, on manquait cruellement de business angels qui soient des entrepreneurs. Parce que pour moi, les meilleurs business angels sont les entrepreneurs. D'abord, ils ont la même culture, ils parlent le même langage, ils connaissent les secteurs, ils connaissent les technologies. Souvent, ils sont animés par les mêmes valeurs, ont envie d'innover, l'esprit d'équipe. Et puis en plus, les entrepreneurs, ce sont les business angels qui souvent investissent le plus. Qui a des tickets de 100 ou 200 000 euros et non pas quelques dizaines de milliers d'euros. Donc on manque d'entrepreneurs business angels, qu'on appelle aussi les super angels, et c'est pour essayer de combler ce manque, ce trou dans la chaîne de financement qu'on a essayé de créer Isaïe. Alors Isaïe c'est quoi? Isaïe c'est un collectif qui essaie de rassembler beaucoup d'entrepreneurs business angels qui se groupent pour gagner en puissance de feu, en capacité d'investissement, et c'est ce qu'on appelle un entrepreneur. Pour créer Isaïe, je me suis associé avec Pierre Kosciusko-Morizet. Ou double-cliquer sur l'idée d'Isaïe, parce qu'avec Price Minister, il y avait eu pas mal de difficultés à se financer. À un moment donné, il était devenu un peu trop gros pour les business angels, c'est trop petit pour les fonds. Et puis avec Pierre, on a été chercher Aurélien Loyon, les cofondateurs d'Isaïe, ancien de TechCrunch, AppsFire, Geoffroy Roux-Bézieux de Phonehouse, Virgin Mobile, et puis Stéphane Trépeau de Sarenza. Et puis tous ensemble, on a recruté un vrai VC, parce qu'investir c'est un métier, un professionnel de la profession, comme disait Godard, la personne de Jean-David Chambourdon. Et tous ensemble, on a convaincu une bonne partie de l'écosystème de nous rejoindre. Donc plusieurs dizaines d'entrepreneurs qui ont créé Isaïe en 2010, avec cette idée du renvoi d'ascenseur. Le renvoi d'ascenseur, c'est simple, c'est en gros ceux qui ont déjà réussi, être ceux qui veulent réussir. Bon, évidemment, en recyclant une partie de l'argent qu'ils ont gagné, mais aussi en mettant à disposition l'expérience qu'ils ont acquise en entrepreneur. Donc voilà, donc ça c'est la solution. La preuve de concept, entre guillemets, quelques années plus tard, Isaïe, c'est quoi? C'est 150 millions d'euros levés sur 3 fonds, un peu plus d'une centaine d'entrepreneurs. Donc il y a les logos sur le site fidei.fr des sociétés qui ont été créées ou dirigées par les entrepreneurs du fonds. Donc il y en a une à peu près pour chaque lettre de l'alphabet. Ça commence avec A comme Aloresto, Ramisoto, Féminin, B pour Sorama, Criteo, etc. Et l'idée de ce réseau, c'est de rassembler autant d'experts pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Parce que quand on investit, c'est le fonds au commun qui investit, mais on va chercher dans le réseau un ou deux entrepreneurs qui sont pertinents pour la start-up qu'on a sélectionnée et qui peuvent l'aider à accélérer, à se développer, à éviter les écueils. Donc ça, c'est le concept de fonds d'entrepreneur. On a aujourd'hui fait une petite vingtaine d'investissements, ce qui est très peu, en un peu plus de 5 ans. Mais ça fait partie de notre stratégie d'investissement. En quelques mots sur la stratégie d'investissement, on est sélectif, donc on pense qu'il faut planter peu de graines beaucoup transpirer dessus pour les faire pousser. On est spécialisé, on ne fait que l'Internet, et encore on ne fait pas tout dans l'Internet. Il y a des choses qu'on aime beaucoup, comme les marketplaces, le SaaS, les réseaux sociaux, des apps. Il y a des choses sur lesquelles on est moins fort. Et on ne fait que des choses sur lesquelles on pense qu'on a une petite expérience, immédiatement. On est très présent dans la structure des boards, où on gouverne les startups au travers des boards, dans lesquels on est fortement représenté, mais bienveillant. Très aligné avec les fondateurs, on essaie de faire des pactes assez entrepreneur-friendly. Et puis on est un investisseur patient. Quand on met un au premier tour, on garde toujours deux en réserve pour pouvoir suivre les refinancements, soit parce que ça prend plus de temps que prévu, soit parce qu'au contraire, ça marcherait bien et il faut accélérer. Donc voilà pour là où on en est, l'attraction. Notre premier investissement historique, c'est Blablacar, qui nous a pas mal réussi. Mais il y en a beaucoup d'autres derrière qui sont très successful, puisqu'on estime que même sans Blablacar, on gagnera de l'argent, on fera entre 1,5 et 2,5 fois la mise pour nos souscripteurs sans Blablacar. Donc le reste du portefeuille est très joli. Les perspectives, c'est qu'on vient de lever Isaïe Venture 2, qui est donc le fonds successeur du fonds numéro 1, qu'on a closé en juin à 75 millions d'euros. Et on a essayé d'améliorer la proposition de valeur avec deux features. Le site club, qui est une espèce de private angel list, où en fait on fait des tickets de 100, 200 000, 300 000, 400 000. Les entrepreneurs du fonds co-investissent avec Isaïe. Et puis l'international, on a ouvert un bureau à New York pour aider les entrepreneurs ambitieux, il y en a de plus en plus, à traverser l'Atlantique, à s'installer aux États-Unis, à démarrer leur activité, puis à se faire financer. Des bons vicieux. Voilà. Il y a tous les détails sur Isaïe.fr avec nos coordonnées et puis la manière de nous contacter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Foucault Delannoy, Caporn Invest. On a fondé tous les quatre associés Caporn Invest il y a 4 ans. On était tous les 4 entrepreneurs et on faisait un double constat. Le premier, c'est que dans nos vies d'entrepreneurs,
on se rendait compte que l'argent était important, mais que c'était loin d'être suffisant, qu'on avait besoin de conseils, de contacts, de mentoring, de miroirs, de plein de choses qui sont des ingrédients essentiels à un développement d'activité plus rapide, plus pérenne et aussi plus humain. Le deuxième constat, c'est qu'on était assez naturellement ouvert sur l'extérieur. On faisait pas mal marcher notre réseau et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qu'on avait croisés dans nos parcours qui investissaient un petit peu à droite à gauche, en direct, par petits groupements ou dans une entité où ils ne voyaient absolument pas l'implication qu'ils pouvaient faire. Alors on a dit, bah, c'est simple, nous on va faire le métier et confiez-nous votre argent. On va s'occuper de l'intégralité du process parce que, comme vous l'avez pu l'expérimenter dans des entreprises dans lesquelles vous êtes rentré et vous avez du mal à le faire, investir et suivre plusieurs boîtes, c'est un métier, c'est difficile, c'est un métier de conviction, c'est un métier passionnant, mais c'est un vrai métier. On a levé 50 millions sur le premier fonds, on lève un deuxième fonds de 120 millions en cours. Et l'une des particularités effectivement du premier fonds, c'est d'être souscrit à 99% par la catégorie d'entrepreneurs que décrivait Christophe, des gens qui veulent s'impliquer. Et on les utilise à tous les niveaux du stade d'investissement pour nous sourcer des deals. On voit des deals qui ne cherchent pas d'argent. Pour un VC, c'est assez atypique, mais c'est assez intéressant de voir des gens qui ne cherchent pas d'argent. Donc on parle d'autre chose. Je reviens sur le point numéro 1, effectivement. Qu'est-ce qui est intéressant au-delà de l'argent ? On les utilise bien évidemment dans l'analyse des deals. On est une équipe assez jeune, on n'a pas l'expérience des autres. Ben, on va chercher des vieux loups de mer qui ont déjà cassé quelques bateaux ou fait des très beaux tours du monde. On leur demande leur expérience, leur contact. Et on fait la même chose une fois qu'on a investi. On les anime beaucoup, on les rencontre, on fait à peu près une dizaine d'événements par an. On leur pousse l'information. Je leur dis, Bernard, Eric, vous êtes investisseurs de ces boîtes-là, voilà ce qu'elles font, écoutez-les, elles ont des besoins, parlez-en autour de vous. Donc on a matérialisé une équipe de biz dev assez naturellement dans l'équipe, donc il y a deux personnes à plein temps qui discutent avec nos 12 participations actuelles pour leur dire bah, de quoi tu as besoin aujourd'hui en termes de key people, en termes de moyens techniques ou prestataires, et surtout qui tu veux adresser dans ta démarche commerciale. Je reviendrai sur le positionnement, mais on est vraiment positionné sur l'accélération commerciale de ces startups. Et du coup, bah, quand une personne dit bah, « Tiens, ça fait un petit moment que j'essaie de rentrer dans telle boîte, la personne est partie en congé, ça tarde, etc. Bah, » on essaie de passer un petit peu plus haut, d'avoir les contacts et de faciliter les échanges et de suivre en plus. Ce n'est pas tout de mettre en échange, en contact, il faut aussi suivre. La particularité aussi d'être avec des gens qui sont dans les entreprises, bah, c'est de connaître un petit peu où ils ont mal dans leur industrie, dans leurs marques, dans leurs univers de retail, d'industriels, et le fait de passer pas mal de temps avec eux, de les écouter, on se dit, tiens, toutes les entreprises, tous les secteurs, tous les métiers sont impactés par l'innovation, par ces clients toujours plus mobiles, connectés, exigeants, mouvants, et ces chaînes de valeur sont un petit peu chamboulées. Et on leur dit, bah, où est-ce que vous avez mal ? Et ils nous disent où on a mal. On a mal dans le CRM, dans l'écoute de nos clients, dans le suivi, dans notre techno. Ok, super, ça tombe bien, on voit à peu près 1000 dossiers par an. On peut essayer de vous trouver des boîtes qui adressent ces sujets-là. Donc, le fait de pouvoir mûrir nos thématiques d'investissement avec eux, de pouvoir leur dire, attends, Coco, tu m'as dit que tu avais mal là, regarde cette boîte, où on a investi dans telle boîte, essaye-la dans ton entreprise, ça fait des liens assez évidents et qui fonctionnent. On a investi dans une douzaine de participations à date, dans un univers assez différent. Toutes les infos sont sur le site. Et le dernier élément qu'on met en place, effectivement, c'est avant l'instruction, il y a un gros focus sur les hommes, les organisations et la gouvernance, pour essayer de mieux choisir nos équipes avec qui on va bosser ensemble et qu'elles nous choisissent mieux pour faire du bon travail après. Merci à tous. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Hugues Hansen et en fait, dû me tromper de salle parce que je ne suis pas vraiment un VC. Je suis le représentant de Starting Post, qui est l'accélérateur industriel du groupe La Poste. Alors, pour reprendre effectivement les pitchs qu'on voit très régulièrement, quelle est la douleur? Quel est le pourquoi? Eh bien, c'est simple. Je pense que vous n'avez pas dû envoyer beaucoup de cartes de vœux cette année. Je pense que vous ne recevez plus beaucoup de relevés bancaires papier. Et peut-être même que vous avez déjà dématérialisé l'envoi des formulaires d'impôts. Donc ça fait toujours aussi mal au portefeuille, mais ça fait tout ça moins de chiffre d'affaires pour le groupe La Poste. Donc globalement, la démarche stratégique du groupe La Poste, c'est qu'on a absolument besoin de conquérir des nouveaux territoires en lançant des nouveaux services. Et Starting Post est donc la démarche d'innovation ouverte qui permet de lancer des nouveaux services en partenariat avec des startups. Comment on s'est organisé pour répondre à cette feuille de route? Ben, premier point, on va systématiquement financer la mise en place d'un POC ou d'un business test entre la start-up et une entité opérationnelle du groupe. Donc le POC, c'est une expérimentation de durée courte, technique ou commerciale avec nos clients et nos prospects, et toujours avec un représentant d'une business unit opérationnelle du groupe pour tester le market fit de votre solution. Deuxième point, si le POC est positif, si on a atteint les objectifs, on va passer sur une phase d'accélération. La phase d'accélération va comprendre trois éléments. Premier élément, et c'est le point le plus important, c'est la mise en place d'un partenariat business entre la start-up et puis le groupe La Poste. Partenariat business qui a vocation à développer votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de la start-up et également le chiffre d'affaires du groupe La Poste. Donc on est vraiment sur des partenariats de développement, que ce soit de la commercialisation par le groupe La Poste, que ce soit l'intégration du produit de la start-up dans notre offre, ou que ce soit des marques blanches, des marques grises, ou de la création d'écosystèmes. Donc premier point, c'est ce partenariat business. En deuxième point de la phase d'accélération, on va avoir un accompagnement avec des experts internes au groupe ou des experts externes au groupe, dans une logique d'atelier ou dans une logique de coaching pendant 9 mois. Et dernier point, et c'est aussi pour ça que je suis là, on a aussi la possibilité d'investir dans le capital des startups qui ont déjà réalisé un POC avec nous, et on peut investir des tickets jusqu'à 500 000 euros en tant que co-investisseur. Donc dans les tours de table que vous êtes en train de constituer, on peut investir à partir du moment où on a déjà testé votre solution et la cohérence de votre solution avec le groupe La Poste via le POC qu'on aura financé. Donc nous, on peut mettre des tickets jusqu'à 500 000 euros et on a un budget pour ce faire de 12 millions d'euros. Donc on a l'équivalent d'un fonds de 12 millions d'euros pour ce faire. Nous recherchons des startups dans 3 domaines stratégiques pour le compte du groupe La Poste. Premier domaine, c'est tout ce qui est B2B numérique. Le groupe La Poste fait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont un quart à l'international, ça ne cesse pas, mais un quart à l'international. Sur ces 22 milliards, on en a 75%, les trois quarts, donc qui sont en B2B. Donc on recherche des startups dans tout ce qui est B2B numérique. Donc par exemple, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est big data, toutes les logiques de logiciels en mode SaaS et en mode cloud. Premier point, B2B numérique. Deuxième point, c'est tout ce qui est les services de proximité. Donc on va regarder forcément la logistique innovante. On va essayer de ne pas se faire uberiser sur notre cœur de métier. On va regarder aussi le recyclage, on est déjà présent sur le recyclage. On regarde aussi la transition énergétique, comment La Poste peut accompagner les plans gouvernementaux sur la transition énergétique, pourquoi pas avec des start-up en pointe sur ce domaine. On regarde également dans tous les services de proximité tout ce qui est les objets connectés avec la e-santé et la silver economy. Donc il y a 15 start-up qui ont été sélectionnées par le groupe La Poste pour nous accompagner à Las Vegas pour démontrer ensemble un produit qu'on est en train de lancer qui s'appelle le numérique. Donc il y a 15 start-up qui viennent d'être sélectionnées pour partir à Las Vegas en janvier. Et le troisième axe qu'on regarde, c'est tout ce qui est confiance numérique, donc les moyens de paiement innovants, les logiques de portefeuille électronique et de coffre-fort électronique. Pour la start-up, le point clé pour nous, c'est que la start-up ait un produit suffisamment robuste pour qu'elle puisse être testée et par notre business unit et encore plus important, par nos clients et nos prospects. Donc il faut absolument que le produit de la start-up soit robuste. On ne demande pas de chiffre d'affaires, mais un produit robuste qui est prêt à être testé de manière, entre guillemets, industrielle.
Et pour finir, on s'est lancé en juin 2014 et on a déjà accompagné 16 startups en termes de POC et d'expérimentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Mathieu ? Merci. Alors moi, je suis deuxième régional de l'étape. Je m'appelle Mathieu Gallard. Je travaille chez Renault de Création. Je fais partie de l'équipe d'investissement. Et donc, chez Renault de Création, on finance l'avançage technologique et le capital risque. Avançage technologique, donc on va regarder des sujets très en rupture, très techno, semi-conducteurs, biotech, chimie matériaux, et d'un autre côté, on va regarder également des sujets plutôt low-tech, logiciels, web, medical device, services innovants, notamment services auprès de l'industrie. On est assez généraliste, on regarde tout, à partir du moment où les dirigeants sont bons, donc c'est suffisamment important pour qu'on puisse le signaler. On investit des tickets entre 200 000 et 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est plutôt sur des sujets assez capitalistiques, bien évidemment. On essaie d'accompagner les sociétés dans la durée. Même si notre dénomination est Rhône-Alpes Création, on est un investisseur classique, avec des due diligence organisées, un pacte d'actionnaire avec des clauses de liquidité. Il n'y a pas de sympathie particulière parce que notre dénomination est Rhône-Alpes Création. On intervient également en région PACA, donc Rhône-Alpes et PACA. On est un petit peu comme les startups, on se développe nous aussi au fur et à mesure des années. Alors quels sont nos avantages concurrentiels? Alors je vais pas vous faire d'histoire, c'est clair, on est moins sexy qu'Isaïe. On est moins musclé que Partech. Mais on se défend. On se défend parce qu'on est l'acteur qui fait le plus de deals en région Rhône-Alpes, puisqu'on fait une dizaine de deals par an. Et quel est l'avantage de dealer avec nous? Le point le plus important, c'est que on est un acteur local et on va pouvoir donner un coup de main en off, pas forcément au board. Oui, on est présent au board comme tout le monde, mais certaines fois, moi j'ai très souvent des dirigeants qui, avec qui on passe un moment au déjeuner, on se voit après à 19-20 heures, on va prendre un coup ensemble pour préparer le board, pour débriefer le board, pour rencontrer un administrateur indépendant. Et c'est plus simple lorsque vous êtes à 3 arrêts de métro que lorsque vous êtes à 10 000 km ou même à 2 heures de train. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a, on a réussi en plus de 25 ans d'existence à tisser des liens assez forts avec des partenaires locaux, BPI, BNP principalement, et l'ensemble de nos bailleurs de fonds. Alors, je cite BNP, mais j'aurais pu citer quelques épargnes, etc. Donc, mais on n'est pas là pour faire de la pub non plus. Et ce qui nous permet, en fait, lorsque vous avez un souci, notamment de gérer un tour de table un peu trop structuré, faire des effets de levier, etc., c'est toujours bien d'avoir un partenaire local qui va vous donner un coup de main parce qu'on connaît l'écosystème, on connaît les personnes qui suivent les dossiers, et ça peut être utile. Et le dernier point, c'est que comme on est là depuis un peu plus de 25 ans, généralement, en capital risque, lorsque vous durez, c'est que vous avez plutôt fait des bons investissements. Donc on a accompagné 260 entreprises, donc on a créé un réseau de co-investisseurs, d'industriels, de chefs d'entreprise qui peuvent être mis en relation avec nos startups. On est une équipe de 7 personnes, donc 4 investisseurs, 3 personnes de back-office. On a un back-office assez musclé, c'est volontaire. On part du principe que une opération, on aime bien la boucler entre 3 et 4 mois. Si on met 6, 7, 8, 9 mois, c'est généralement assez long pour vous. On part du principe que vous avez 10 000 autres choses à faire que de lever des fonds. Donc si on peut vous aider sur cette partie-là, il ne faut pas aller trop vite non plus. Enfin, on ne prend pas de participation dans 2 semaines, pour nous c'est une hérésie. Néanmoins, ce back-office nous permet de préparer la doc et d'être beaucoup plus efficace sur le process juridique. Voilà, donc on a fait tout un tas de succès. On a vendu récemment une société qui s'appelle Docea Power à Intel cet été. On a introduit une société qui s'appelle Amoeba en bourse cette année, qui doit avoir une market cap qui doit dépasser 50 millions d'euros. Et donc on est assez présent en fait sur tout un tas d'activités. Le fait qu'on gère aujourd'hui à peu près 70 millions d'euros nous permet d'avoir une force de frappe assez importante et suivre les sociétés dans la durée. Merci beaucoup. Je pense qu'on connaît tous Boris, on va passer ton tour, non? T'as fait chier tout le monde par tous les événements. Je rigole, t'as 3 minutes par contre. Hein.
Ça fait plaisir d'être introduit comme ça. Bonjour à tous. Donc moi je présente Partech Venture. Alors, le gros gabarit dont il a parlé, c'est moi. Donc ça, il y a peut-être un effet déceptif, je ne sais pas. Donc Partech, en quelques mots, nous on est un fonds international. On a des bureaux à San Francisco, Paris et Berlin. On investit dans la Silicon Valley et en Europe, et aussi en Israël. On a une caractéristique, c'est qu'on investit du très tôt au très tard. On a des tickets entre 200 000 dollars et 50 millions de dollars. Pas dans les mêmes start-up tout de suite en général. On a vraiment une vocation à prendre des start-up très au début, les accompagner, très lent dans le process de développement. Vous avez entendu beaucoup de choses, je pense que ça doit être fatigant. Je vais pas prendre 5 minutes effectivement, parce que ça doit être fatigant d'entendre plein de fonds pitchés. C'est vrai que quand on a des start-up, 10 start-up qui pitchent, à la 10e on commence à décrocher, donc je pense que c'est votre cas. Pourquoi on est différent? On n'est pas meilleur, on est différent. Je ne vais pas chercher à vendre le fait que Partech c'est la lune et les autres fonds sont pourris. Je pense que la plupart des fonds ont des choses intéressantes à proposer. Nous, tout ce qui a été dit là, on partage. Les différences, c'est le côté international, 3 bureaux, donc la capacité à nous comparer les deals et à s'assurer, enfin, à sélectionner le meilleur cheval dans toutes les régions, et puis à vous accompagner à l'international, que ce soit en termes de réseau, en termes de business. On a beaucoup de souscripteurs corporate, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que Carrefour, BNP, Groupama, Génico, plein de gens comme ça ont mis de l'argent chez nous, et via leur fonds d'innovation. Pas via une relation financière, donc ils viennent toutes les semaines voir les startups qu'on a vues, et on a une personne dont le boulot à plein temps est de faire les intros entre nos startups, celles qu'on a vues, celles dans lesquelles on investit, et ces corporate, ça c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Ça nous permet aussi tout simplement de nous apporter la valeur qu'on vient de voir. Vous savez que le rôle d'un VC c'est pas toujours facile, on voit beaucoup de startups. Malheureusement, la réponse qu'on fait tous, c'est en général, c'est pas, on va pas investir. Ce qu'on essaye de plus en plus, c'est de pas dire juste non, mais de dire non pour l'instant, par contre, va voir telle et telle personne ou va parler avec Nico, notre Open Innovation Manager, il va te mettre en contact avec un Génico et Carrefour parce qu'eux ils sont intéressés par ce que tu fais. Voilà ce qu'on essaie de faire. Moi je suis un ancien entrepreneur, on essaie vraiment d'avoir une dimension entrepreneur friendly. Beaucoup de VC maintenant font ça, ils disent qu'ils le font et le font. On essaie également de le faire. Je pense qu'on partage la même culture. Sur le fonds d'amorçage qu'on a lancé, c'est un fonds de 80 millions d'euros qu'on a lancé en avril, qui couvre toutes nos zones géographiques. On n'est que des anciens entrepreneurs à manager le fonds, à faire des investissements. C'est important. Et je pense que c'est à peu près tout. Ça vous donne déjà une bonne idée. On a un site web tout nouveau, tout est dessus. Donc allez le voir. Il n'y a pas de grand blabla. En 3 minutes, vous en aurez fait le tour. Donc si vous voulez plus d'infos, allez le voir. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous voir globalement, à venir nous voir aujourd'hui en particulier, si vous voulez parler de start-up. Voilà, à très vite. Merci beaucoup. Madame. Merci. Effectivement, c'est compliqué de venir pitcher un fonds alors qu'on fait globalement tous le même métier. Je vais quand même essayer de vous présenter Alven, que je représente ici devant vous. Donc Alven, c'est une start-up, comme vous l'êtes vous aussi aujourd'hui. C'est une boîte qui a été créée il y a 15 ans par Guillaume et Charles, qui ont commencé plutôt sur une approche de business angel. Qui a été assez successful. Ils ont financé les premiers grands noms d'Internet comme Webhelp ou SeLoger. Puis les fonds successifs sont venus les uns après les autres en même génération. Donc le fonds 4, c'était 120 millions. On a investi à des stades assez tôt. Donc le early stage, difficile à définir, mais nous, on essaie d'être généralement le premier investisseur à venir mettre un ticket et à venir structurer la boîte. On fait quelques deals en amorçage, où là on mettra plutôt quelques centaines de milliers d'euros. Mais on garde pas mal de réserves, c'est un fonds qui est assez large, donc on est là sur la durée. Alven, sur les 15 dernières années, je crois que c'est à peu près 90 investissements, et surtout quasiment 49 ou 50 sorties. Donc c'est très important de comprendre qu'un VC c'est aussi là pour faire des sorties et pour faire des plus-values, et c'est le cas chez Alven. C'est des performances assez belles sur la durée, puisqu'en moyenne on sort 30% de rentabilité par an. Donc c'est fait partie des bons fonds de la place. Et la grosse différence, c'est qu'on essaie d'investir très vite dans les boîtes. On est une toute petite équipe, on est 6 personnes. On est plutôt jeune. On a un ancien entrepreneur qui est passé du côté obscur de la force il y a quelques mois en nous rejoignant. Et on investit avec des cycles qui sont, on espère, aussi rapides que les cycles de décision de nos propres entrepreneurs. On a une activité qui est assez chargée, puisque j'ai essayé de,
de faire un récapitulatif des 12 derniers mois, mais c'est assez compliqué de pitcher en quelques secondes le nombre de deals que l'on a fait, mais on doit être à plus de 100 millions qui ont été investis dans notre portefeuille par des investisseurs tiers. Donc on peut citer des boîtes comme dernièrement a financé Clustery, on a eu un refinancement très significatif sur PeopleDoc à New York, on a levé 25 millions, on a eu iAdvice qui a levé une douzaine de millions, Lego qui a levé 10, enfin beaucoup de boîtes comme ça qui se développent très très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait des deals avec des fonds de classe mondiale, puisque Index et Access sont des partenaires privilégiés chez nous. On a fait des deals avec Andreessen Horowitz, avec Enora, avec Storm dans la vallée. Et on fait beaucoup de sorties. Cette année, on va être à 3 ou 4 sorties. Vous avez vu dans la presse, il y a 15 jours, on a vendu Zoom à Zendesk. En début d'année, on avait vendu une boîte à Facebook. Et on a vendu des sociétés cette année comme... on a vendu 2-3 boîtes cette année qui ont été assez beau parcours. Je vous laisse venir me voir tout à l'heure si vous avez des questions. Je serais ravi de venir éventuellement financer votre société si vous êtes dans l'ADN d'Alben. Merci beaucoup. Bonjour, donc Jérôme Mazurel, je suis fondateur de 50 Partners. Donc je ne suis pas exactement un fonds d'investissement. 50 Partners, ce n'est pas un fonds d'investissement. Et je pense qu'on m'a convié pour vous présenter rapidement 50 Partners parce qu'on travaille beaucoup avec les investisseurs, que ce soit les investisseurs privés, Business Angel ou les fonds d'investissement. Et en fait, on vient répondre un peu à ce que disait Boris tout à l'heure, c'est que la majorité des projets qu'on voulait présenter aux investisseurs, ils vous disent non. Pas parce que c'est un mauvais projet, mais parce que c'est un petit peu tôt. Et nous, on vient répondre à ce point-là, c'est on vient vous aider avant d'être financé par les VC. Donc pour faire ça, on a constitué une solution d'accompagnement de jeunes projets innovants, que certains pourraient appeler incubateur, accélérateur, pépinière, il y a beaucoup de mots derrière tout ça. On ne se définit pas comme accélérateur parce que on estime que c'est des programmes d'accompagnement courts de 3 ou de 6 mois ou de 9 mois qui sont très intéressants, mais ce n'est pas ce qu'on fait. De ce point de vue-là, on s'approche beaucoup plus des fonds d'investissement puisqu'on accompagne sur le très long terme les projets. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider les projets à trouver la voie qui va leur permettre notamment de se financer. Mais c'est d'apporter toutes les ressources autour des projets pour les aider. Donc ces ressources, on peut les rassembler sous 5 grands piliers. Donc c'est le mentoring, donc 50 Partners, le nom vient du fait que ça a été fondé avec 50 entrepreneurs qui ont eu des success stories dans le monde des nouvelles technologies. Donc vous avez sur le site toutes les photos et tous les profils de ces entrepreneurs. Globalement, c'est des gens qui ont réussi et qui veulent bien se relever les manches pour aider les projets à se développer. Donc les fondateurs de Blablacar, Price Minister, Le Bon Coin, etc., qui se mobilisent pour aider les projets. Et donc on organise l'apport de compétences de ces gens-là vers les projets. On a un deuxième point qui est les bureaux, donc on a une pépinière qui est à Paris, qui permet d'accueillir les projets, qui est plutôt un lieu de vie entrepreneurial dans lequel il se passe beaucoup de choses. Un troisième point, c'est la partie écosystème, donc là on va rassembler tout un tas d'organisations, de structures, ça peut être des grands groupes, des médias, des écoles, des prestataires de services comme des avocats, des experts comptables, etc., qui offrent du service à chacun des projets de façon très significative. Donc, si on prend Publicis, par exemple, ils offrent 20 heures d'accompagnement à chacun des projets en one-to-one pour aider à travailler sur la stratégie de communication digitale. Un ensemble d'un écosystème pour trouver aussi tous les partenaires sur le site. Un quatrième point, c'est la partie financement. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on accompagne, on assure que 100% des projets qu'on accompagne trouvent le financement nécessaire aux différentes étapes de la vie de l'entreprise. Donc ça peut être en amorçage, en seed, sur des tours de 100 à 500 000 euros, et au-delà, auprès notamment des fonds d'investissement en série A ou en série B. Et on fait ce travail d'aide à la levée de fonds. Et dernier point, la partie internationale, puisqu'on aide les projets à développer à l'étranger, notamment à travers un réseau qui s'appelle Startup Exchanges. En gros, ça revient à un Erasmus des startups, et tous les projets qui rejoignent 50 Partners peuvent aller pendant 2 mois n'importe où dans le monde, dans un incubateur partenaire. Il y a un site Startup Exchanges, vous pouvez aller le voir. 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc je vous disais qu'on n'est pas exactement un fonds. Là où en fait on est un peu un fonds, c'est que d'abord on arrive avant les fonds avec une solution d'investissement d'expertise. C'est-à-dire que notre métier, nous, c'est d'investir l'expertise. On n'investit pas l'argent des souscripteurs, on investit l'expertise des fameux 50 Partners dans les meilleurs projets possibles. Donc on accompagne 6 à 7 projets par an dans ce dispositif-là.
Et voilà. Et on a également, sur la partie financement quand même, une capacité de mettre des tickets, alors essentiellement dans les projets qui sont dans Fifty Partners, mais des tickets entre 100 et 300 000 euros, vraiment en prêt financement. Et il peut nous arriver de regarder des projets à l'extérieur de Fifty Partners, on a déjà fait deux ou trois reprises. Donc si vous n'êtes pas dans Fifty Partners, mais que vous voulez du pré-financement, on va dire avant les fonds d'investissement, on est capable de regarder ça. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jacques. Nous avons deux fonds qui sont arrivés un petit peu en retard. Donc, on a le plaisir d'accueillir aussi Daphne et 360 qui sont là pour pitcher. Merci. Bonjour à tous. Alors, en plus de la lassitude d'écouter des pitchs, vous avez peut-être l'estomac qui crie famine un petit peu, donc on va faire rapidement. Daphne, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un start-up VC. Alors, Rodolphe en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la société de gestion est en cours de création, on est en train de lever des fonds, et en partant du postulat, et on est reparti une feuille blanche complète, en se disant quelles sont les attentes des entrepreneurs et des investisseurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'évolution de l'écosystème du digital, et nous, ce qu'on veut pour Daphne, c'est faire rentrer le VC lui-même dans le monde du digital, et essayer de s'appliquer les règles qu'on vous demande à vous de vous appliquer en tant que start-up et se les appliquer à nous en tant qu'investisseurs. Donc c'est l'innovation. On a parlé beaucoup des entrepreneurs, on est soutenu par des innovateurs au sens large du monde du digital qui sont là pour aider les sociétés à progresser. Et le fait de rentrer nous-mêmes dans le monde du digital, c'est vous aider à vous, start-up, à résoudre tous les problèmes que vous pouvez avoir au quotidien. C'est quoi une start-up aujourd'hui? C'est une boîte qui a de l'ambition, mais qui doit régler au quotidien un certain nombre de problèmes. Et la vocation de l'investisseur, on a parlé tout à l'heure des boards, les boards sont importants, mais il n'y a pas que les boards, il y a tout ce qui se passe entre les boards, de manière à résoudre toutes les problématiques du quotidien. Et votre investisseur, il doit être présent pour ça. Et c'est là-dessus qu'on travaille, de manière à avoir un éventail relativement large de prestations, d'assistances diverses et variées, qui vont vous aider. Et l'enjeu principal, c'est d'être pour vous une plateforme qui va vous apporter non seulement du financement, mais toute l'assistance dont vous avez besoin, que ce soit à l'international, développement, scalabilité, auprès d'innovateurs au sens large. L'ambition, c'est de lever un fonds d'une centaine de millions d'euros qui va permettre de financer des tours un petit peu en seed, mais essentiellement en série A, des tours ambitieux pour vous permettre d'aller rapidement à l'international sur des sujets qu'on maîtrise, qu'on connaît, sur lesquels on est plutôt à l'aise, c'est-à-dire plutôt des cycles de vente relativement rapides, de manière à pouvoir itérer suffisamment rapidement pour pouvoir voir si on a pris les bonnes voies ou les mauvaises voies et pouvoir ajuster le tir le cas échéant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, on a une équipe de 5 personnes aujourd'hui, 3 investisseurs avec des profils d'investissement dans le digital depuis plus d'une dizaine d'années, et puis des gestionnaires de communautés, parce qu'on pense que c'est important dans cette notion d'écosystème et d'ouverture au tiers, que les profils des sociétés de gestion soient aussi adaptés pour faire vivre tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Et en fait, il y aura aussi Serena Capital, donc un troisième. Très très vite. Tu veux faire les deux? Go. J'ai fait deux, Serena et 360, les deux. 360. T'es sûr? Oui. Bonjour. On sait peut-être si c'est français. Je dis ça, je dis rien. Bonjour à tous et à toutes, Emmanuel Lévy, General Partner chez 360 Capital Partners. On est un fonds européen basé à Paris, à Milan et en Allemagne. On a environ 175 millions d'euros sous gestion. On fait dès l'amorçage entre 200K et 1 million et on fait des tours A principalement, donc on est des acteurs un peu early stage. Par rapport à Partech, moi je suis plus beau et plus musclé de Boris, ça se voit clairement, non ? D'accord. Bon. Donc, c'est quoi notre secret sauce ? Je pense qu'on a une approche très large à l'innovation. Nous avons investi dans des boîtes qui sont très différentes entre eux. On est investisseur d'Aramisotto, on est investisseur de Slip Français, on est investisseur de Save, on était investisseur de Litchi, pardon, qu'on a vendu récemment. Donc on a vraiment une approche qui est assez large autour de l'innovation, comme pour nous, très souvent, 75% de décisions, c'est l'entrepreneur. Donc
c'est le choix d'abord d'avoir une équipe ou un entrepreneur qui vraiment arrive à nous convaincre et qui nous montre une vision, une énergie telle que on va jouer le jeu. Je dirais, l'aspect d'être un peu pan-européenne, je pense, s'adapte bien à certaines boîtes qui ont une ambition européenne, bien sûr, ou internationale. C'est sûr que pour nous, la première raison pour dire non à des dossiers, c'est l'ambition. Donc, il y a un véritable enjeu d'ambition. Donc, on n'est pas le fonds le plus adapté pour faire des boîtes qui sont correctement bâties, mais avec un niveau de... ambition pour tout le monde autour de la table, disons, faible, entre guillemets. Et voilà, je dirais que ça, c'est un peu rapidement le tour de 360. Donc, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Léa, je suis chargée d'affaires chez Serena Capital. Donc, je viens d'arriver il y a 2 mois. Mais je suis en mesure de pitcher mon fonds. Alors, Serena Capital, ça a été créé en 2008 par 3 entrepreneurs français. On a 230 millions d'euros sous gestion. Donc, c'est une vingtaine d'entreprises en portefeuille pour le moment. On investit dans le digital au sens large. Donc, c'est tout ce qui est télécom, médias, software, tout ce qui est dans l'Internet, un peu d'e-commerce aussi. Mais en fait, c'est tout ce qui est le digital au sens large. Typiquement, on a une de nos participations un peu atypique qui s'appelle Santé Bête. Donc, c'est de l'assurance pour chien et chat, mais c'est sur Internet. Donc, c'est un secteur traditionnel dans le digital. Donc, ça nous intéresse beaucoup du moment que c'est disrupteur. La particularité de Serena, c'est donc que ça a été fondé par des entrepreneurs. On est une équipe de 10 personnes à Paris. Donc, des investisseurs, des chargés d'affaires, mais aussi ce qui fait une de nos forces, c'est les growth enablers qu'on a recrutés ces 2 dernières années. Donc, notamment, il y a un CFO qui travaille pour Serena, mais aussi pour nos participations. Donc, c'est-à-dire aider à recruter des CFO, mettre en place des process, et aussi une chargée de communication qui donc, travaille pour nous, mais aussi pour nos entreprises, à travers le recrutement d'agences RP, par exemple, ou alors l'organisation d'événements. Typiquement, hier matin, on avait un petit déjeuner chez Serena avec tous les CTO de nos participations et Amazon Web Services. Donc, on essaie d'organiser plein d'événements pour nos participations. Donc, nos participations, qui elles sont? Je vous ai parlé du secteur, mais j'ai parlé aussi du stade de développement. Nous, on est plus tard dans l'investissement. Donc, c'est entre le capital risque et le capital développement. Donc, des tickets entre 2 et 15 millions d'euros dans des entreprises qui ont déjà atteint leur premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, il faut donc aider à scaler, donc passer de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à quelques dizaines de millions d'euros. En termes de growth enabler, on va aussi recruter un chargé de recrutement, parce qu'on sait que quand les entreprises passent de 10 à 100 personnes, il y a de grosses problématiques de recrutement, et aussi quelqu'un qui sera à temps plein aux États-Unis, parce qu'on a déjà 5 boîtes qui ont ouvert des bureaux aux États-Unis, et on voit donc qu'il y a un vrai besoin. Voilà, je fais court parce qu'on a tous faim. Merci beaucoup, Léa.